La Suisse doit-elle s'engager plus loin dans Frontex? Les citoyens de la Confédération ont dit oui ce dimanche lors d'un référendum. Près des trois quarts des votants approuvent l'augmentation de la contribution de leur pays à l'Agence de contrôle des frontières de l'Union européenne. La Suisse devra fournir plus de personnel. Elle devra aussi financer l'organisation avec 58 millions d'euros chaque année. La guerre en Ukraine montre à quel point la coopération et la solidarité sont importantes dans l'espace Schengen. Les bénéfices de Frontex et des accords de Dublin sont très importants pour la Suisse. L'agence Frontex est controversée. Plusieurs ONG l'accusent de ne pas respecter le droit des migrants en les refoulant systématiquement aux frontières. La gauche avait appelé à voter non. Si la Suisse veut lutter contre ces violations des droits de l'homme, elle doit continuer à faire partie du groupe pour aider à refonder Schengen et à contrôler Frontex. Sortir de l'accord n'est pas une solution. Les Suisses se prononçaient aussi sur d'autres questions. Ils ont approuvé une loi obligeant les plateformes de streaming à investir dans la création nationale. Netflix et ses concurrentes devront y consacrer 4% de leurs recettes suisses. 60% des votants ont également approuvé un changement dans la pratique des dons d'organes. Ceux qui ne souhaitent pas être donneurs devront le certifier de leur vivant.